Je m'appelle Julio Zola, 29 ans, béninois d'origine, et j'ai fait la licence encadrement de chantier de travaux publics au CNAM Centre-Val de Loire, au lycée Martin Nadeau, à Tours, il y a un an. En fait, moi j'ai toujours voulu étudier au CNAM. Déjà en 2021, j'ai été accepté, sauf qu'en tant qu'étudiant, étranger primo-arrivant, j'avais pas le droit de faire une formation en alternance. Du coup, mon choix s'est penché vers une autre formation. Et quand la chance s'est représentée, on va dire en 2022, d'intégrer cette licence justement, j'ai pas hésité. J'avais d'autres opportunités, notamment l'Université de Bordeaux, mais le CNAM offrait la formation en apprentissage. Et vu que j'avais une entreprise, j'ai souhaité continuer au CNAM. Et je dois dire que je n'ai pas du tout été déçu, en ce sens que moi j'ai un rêve, c'était de travailler à la SNCF, et mes professeurs au CNAM m'ont permis d'avoir un entretien. Entretien qui a été concluant, même si par la suite, je n'ai pas fait le choix de la SNCF pour d'autres raisons. Le CNAM, je dirais, en un ou plusieurs mots, c'était solidarité et opportunité. Le message que j'ai pour les futurs étudiants du CNAM, c'est tenter votre chance. Moi, par exemple, je n'avais pas le bac plus de français, le niveau requis pour intégrer la formation que j'ai suivie l'année dernière. Pourtant, je me suis accroché, je n'ai pas lâché M. Planck, responsable du Greta, et finalement, il m'a quand même permis, sans avoir fait, on va dire, l'équivalence de diplôme qui était exigé. Moi, j'avais de base un diplôme étranger, une licence du Bénin, mais il fallait nécessairement le bac plus de français pour intégrer cette licence au CNAM. Ils ont quand même fait une concession pour moi, donc ne lâchez rien. Et tout le monde a sa chance au CNAM. Je remercie quand même le CNAM de m'avoir permis d'avoir cet entretien avec la SNCF qui, pour moi, on va dire, c'est mon rêve ultime, travailler à la SNCF. Donc, le premier était d'étudier au CNAM, je l'ai fait. Et le second, j'espère, je reviendrai bientôt. Merci à vous.